Et salut à tous, c'est Sorator pour une première vidéo sur Resident Evil 6 sur PS4. Donc le jeu vient de ressortir sur le PlayStation Store. Alors le but c'est de faire le jeu en coop avec Johan. Par contre le prologue, on est obligé de le faire en solo. Je crois qu'il y en a pour un quart d'heure, 20 minutes, à tout casser. Donc on va faire ça rapidement, tout seul de mon côté, et après on rejoindra Johan. Voilà, premier constat, graphiquement, c'est pas l'enjaille absolue. Hein. Mais bon, c'est un jeu PS3 à la base. A plus Johan qui vient nous faire un petit coucou. Je préfère qu'on m'appelle Sorator, ou Soso. Mais Sora tout seul, j'aime pas trop. Regardez. Donc là, on est avec Léon, je crois. Alors moi, je l'ai fait à l'époque, hein, sur PS3. J'ai fait les 3 campagnes, plus la campagne bonus. Mais par exemple, je me rappelle même pas du nom de la fille là. Allez, tiens bon cocotte. C'est pas encore fini. Ah, alors attendez. Wouboubouboubou. Ah, y a pas d'option? Ah oui, cette interface bizarre. Moi je veux mettre les sous-titres. Non. Sous-titres, oui, encore. L'interface c'est chelou, mais c'est sympa. Tiens bon, Elena. Et en plus, les sous-titres sont gros, ça c'est parfait. Ils ont tendance à les faire un peu trop petits. Je ne ferai que te ralentir. Vas-y. Non. Je te laisserai pas ici. Allez. On reste ensemble. Donc, rond pour relever les alliés. Mais où allons-nous? Après tout ce qu'on a traversé, tu vas pas abandonner maintenant. Cette voix est connue, hein. Léon, qui a une voix française. Ça fait bizarre même. Parce que j'ai rejoué à Resident Evil 4 entre temps, et il n'avait pas de voix française. Bonsoir Rico. Hein, casse-toi sans Elena. Mais bien sûr. Ah oui, donc il y a quand même des QTE. Et si je me rate? Bon, je pense pas qu'on puisse mourir sur cette séquence quand même. Mais imaginez ça en coop avec Johan, ça va être trop bien. Après oui, bon, c'est plus un jeu d'action que un vrai survival horror. Faut échapper aux hélicos. Qui
officier. Un soldat. Essayons par là. Alors bien sûr, Joanne fera la femme. Bien entendu. Ou pas, on verra. T'es mort. T'es mort ou tu fais la sieste? Coucou. Non mais c'est pas par là qu'on va assis. Assis. J'ai rien dit. Allez, bouge-toi. Une pause. Non, on fait pas de pause. On n'est pas en sécurité là. Il doit bien y avoir une trousse de secours là-dedans. Ou de l'herbe, ils adorent l'herbe dans ce jeu. Alors vu que je peux pas courir, elle doit pas être très loin. Ah, on peut changer la caméra d'épaule, ok. Là, y a pas une trousse. Ça me rend malade de voir tous ces soldats morts. De l'herbe! On est sauvés! On a trouvé de l'herbe! Mais du coup, ça faudra le gérer à deux, je crois. Mais vraiment. Tout ce qui est soin. C'est bon de t'entendre. Où se trouve Elena? Elle est mal en point. Elle a besoin de soins. Est-ce qu'il te reste des herbes? Un peu. Mais ça va pas m'aider. Bon, écoute, tu vas suivre mes instructions. D'accord. Sélectionnez les herbes à combiner. Sélectionnez la combinaison. Placez dans une tablette. Ok. Tiens bon, Elena. Tiens, Elena. Prends mon herbe. Trop de bons agents sont morts aujourd'hui. Hors de question que tu les rejoignes. Léon. Tu vas mourir, vil zombie. Eh hey, mais triple headshot, le mec il meurt pas. Ah. Dégage. Il veut me manger. Lâche-moi. Je crois qu'il est mort. Je peux pas me détendre une seconde. Quoi, on est blessé maintenant? Aïe aïe aïe. Hop. Ok, la santé est chelou. Comment tu te sens? Ça va aller, je crois. Merci. On se dirige vers la tour Quad. Quoi? Non, c'est trop dangereux. Il y a des membres du BSA et des survivants. Je les abandonnerai pas. Très bien. Laisse-moi t'aider. Je vais t'indiquer le meilleur chemin. Merci, Hengen. Voilà. J'ai un guide pratique sur ton PDA. Elle est sur pied. Ça pourra toujours être utile. Afficher le guide. D'accord. Donc on sait clairement où on doit aller déjà. On ne devrait pas trop galérer là-dessus. Par contre, du coup, mon stock d'herbes, par exemple, je sais que j'en ai 3. C'est bizarre. Ça ne contient que un carré. C'est très peu. Hein. Oui, non, mais c'est bon. Pour l'instant, ça le fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, ça? Elle est encore là. On se tire.
Hannigan, on peut aller à la tour par là? Oui, il faut continuer dans cette direction. Mais... on est vachement avancé dans l'histoire là en fait, je crois. Ou alors c'est qu'ils vont revenir en arrière comme d'habitude. D'accord, sélectionnez une arme. On va essayer le jeu couteau. L'interface, c'est tout ce que j'ai à dire. Tir rapide, comment on recharge? Je sais plus. RT. Je sais pas si on peut faire des kills efficaces au couteau. Oh, je suis en mourir. Oh. D'accord, deux coups de couteau et ça tombe. Parfait. Ah, par contre, il arrive pas à taper par terre. Ok, on va changer d'arme. Fusil à pompe. On en profite, c'est le début du jeu, on a accès à plusieurs armes. On se fait plaisir. On vise comme une merde. Mais c'est pas un problème. Tu peux faire le prologue en coop? Non, je crois pas, hein. Parce que t'as... oh putain. Ouais, faut avancer, mais oui, mais d'accord, mais... vous êtes rigolo. Le prologue, je crois pas que tu puisses le faire en coop, hein, sérieusement. Mais il y en a trop, bordel de merde! D'accord, merci pour cette animation de qualité. Bon, on avance. On peut pas avancer? Didier? Faut aller là-bas, mais je sais pas par où. Ah si, peut-être entre les deux bagnoles. Bon, faut avancer là. Au lieu de faire des prises de catch. Non, en multi, tu peux pas, hein, en ligne. C'est pas possible. Sprinter. Et je cours. Mais t'arrêtes pas, débile! Par ici! Montez! J'arrive. Il saute tout seul, d'accord. Ouh putain. Non merci monsieur. Je me passerai de vos services. Bah redresse. Mais oui, bah redressons. Écoute, si ça te fait plaisir. Allez, remonte. Tu m'expliques comment c'est pas pris un bâtiment de plein fouet là? Il va pas tenir très longtemps. Encore une centaine de mètres. Mais pourquoi elle rattrape le zombie? Elena. Elle avait pas vu que c'était un zombie? Ah oh, putain. Tiens bon. Oh putain. N'importe quoi. Tout va bien? Ouais. Ah oui, tout va bien. Tout va bien. Pour le meilleur. C'est bon. Et pour le pire. Mon dieu.
truc qui cloche. Bah attendez, mais ça, si je me souviens bien, c'est un endroit où on va combattre un boss. Si je dis pas de bêtises. Ou je dis du gros caca. Je crois qu'il en redemande. Oui, non, mais voilà. Petite mise en bouche. Resident Evil 6. Je sais pas si c'est naturel cette voix. Resident Evil 6. Je sais pas le faire. Et bien voilà. Le prologue est fait et on a directement accès à la campagne d'Ada. Quoi ? Alors campagne d'Ada qui je crois est solo. Hein. Donc ça je le ferai peut-être en bonus à la fin. Après j'en ai parlé un peu avec Johan, il me semble que lui veut commencer par Chris. Et comment il s'appelle ? Pierce je crois. Mais du coup, on se fera ça une prochaine fois. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite avec Johan. Salut !